Salut à tous, c'est Bart. On se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 4 du calendrier de l'Avent. Et du coup, on y va. On prend notre quatrième case. Je vais pas faire comme hier à retourner. 4 décembre, vous atterrissez dans un bureau pour le moins démodé. Derrière la vitre fendue scintille une myriade de lumières. Mais, un instant, comment est-ce possible? Vous êtes bien toujours dans le même petit village? Vous vous approchez prudemment de la fenêtre et découvrez en contrebas l'effervescence lumineuse d'une ville s'étendant à perte de vue. Cela vous fait immédiatement penser à Los Angeles et vous avez alors l'impression de regarder à travers la fenêtre d'un building. Auriez-vous été téléporté à plusieurs milliers de kilomètres des montagnes? Ou bien s'agit-il d'une illusion d'optique, voire de magie? Vous vous retournez et constatez que la porte d'entrée de la maisonnette est toujours là, entrouverte, donnant sur le village. Vous frémissez. Il se passe assurément des choses étranges ici. Comme vous ne parvenez pas à trouver de réponse rationnelle à tout cela, vous décidez de vous concentrer sur votre mission. Vous commencez donc par observer attentivement la pièce qui vous entoure. On dirait qu'il y a eu une bagarre ici. La fenêtre n'est pas la seule chose abîmée. L'écran de l'un des ordinateurs est également cassé. Cela faisait une éternité que vous n'aviez pas vu d'ordinateur aussi vieux. Sur un deuxième écran, vous distinguez un logo qui vous semble familier. À votre droite se trouve un ascenseur ouvert visiblement en panne et couvert de graffiti. Quelqu'un semble avoir utilisé cette pièce pour laisser libre cours à sa colère. Était-ce le voleur? Au mur, vous remarquez un vieux téléphone à cadran sacrément rétro. On a d'ailleurs arraché le cadran. Ce dernier est par terre. Vous le remettez en place machinalement. Est-ce que ce téléphone fonctionne encore? Vous essayez alors de composer un numéro comme vous avez pu le voir faire dans les films. Vous placez votre doigt entre l'un des trous et tournez le disque jusqu'à ce qu'il se bloque. Puis relâchez le tout, il revient en arrière produisant de légers cliquetis vous plongeant dans le passé. Donc là on va peut-être devoir faire des trous. Vous avez soudain une idée. Vous rappelez avoir vu une liste de numéros de téléphone sur le bureau. Vous pourriez peut-être en appeler quelqu'un et demander comment poursuivre votre chemin. Mais qui? Donc on a un téléphone. Et dans la case numéro 4, on aura l'énigme D et l'objet cadran. Qu'on va bien sûr devoir mettre ici. Avec un stop que l'on connaît, puisque c'est le stop des aides de jeu, là, comme ça. Du coup, la pièce, on va dire explorer la pièce. Du coup, hop. Donc dans la pièce, on a effectivement une vitre pétée, un écran d'ordinateur avec un logo qu'on est censé connaître, là je ne sais pas, et Yippie-Kai, donc une petite référence, Yippie-Kai, le plafond, voilà. Sur là, on a un écran d'ordinateur pété et le téléphone, et par terre, on a absolument rien à part des bris de verre. Ce logo, on est censé le connaître du coup. Je vais voir s'il n'est pas quelque part dans l'aide de jeu, dans les explications. Après, du coup, on a notre cadran de téléphone. On va dézoomer un peu. Le cadran, il nous dit chef 3, 2, 4 avec des couleurs. Hôte d'accueil 4, 5, 6 avec des couleurs aussi. Donc, je sais pas trop. Et on a effectivement le cadran. Donc, j'imagine qu'il n'y a qu'un seul cadran qui fait qu'on aura tous les bons trucs d'allumer, tous les bons chiffres aux bonnes couleurs en tout cas. Du coup, notre cadran, on le met comme ça. Si on essaie 0, voilà, par exemple, là, le 3 vert. Hop. Est-ce qu'on a le 2 blanc? Non. Et le 4 rouge? Non. Touk, touk, touk. Est-ce que si on fait 4 jaune, on a bien le 5 bleu, mais on n'a pas le 6 en noir. Et du coup, si on fait le 8 en gris, on n'a pas le 5 orange, donc c'est pas ça. Donc je sais pas.
On va essayer de voir déjà le petit logo là, si ça parle quelque part ou pas. On est au 4 décembre, donc on n'ira pas plus loin que ça. Hop. Je regardais, mais il n'est pas là, il a pas l'air d'être sur ça non plus. Dans le bloc histoire, c'est la même chose. Là, on a une clé. On les a sur les deux. Là, du coup, non. Sur la boîte de jeu elle-même, peut-être. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce que c'est le symbole, c'est le village? Hoppa! Bon, j'ai retourné un peu tout, j'ai pas trouvé le symbole, donc je ne sais pas trop. Et là, vous voyez, hier je disais que ça allait être... ça se compliquait parfois. Et là, c'est le cas. Alors... Ah! Ou alors... Ah oui, mais non, ça fait un sens. Tac, tac, tac. Là, j'ai stop. Comme on a le 4 jaune, le 5 bleu, et on a 3 et 4 rouges, comme ça correspond aux bandes là, ça se trouve ce serait juste ça. Du coup genre 4, 5, 7, peut-être. On va essayer. Alors 7 on a dit, le 4 jaune et le 5 bleu. Du coup en partant du 4 ici... Eh bien, par contre, je vois pas l'intérieur du téléphone, donc ça m'étonnerait que ce soit ça. En partant du 4, on a une fois en bas à gauche, à droite, en bas à gauche et à droite, on sort. Donc, c'est pas ça. Ce qui paraissait logique. Alors. Qu'est-ce que ça peut être ? Numéro abrégé. Vert. 3 verts. Deux. Jaune. Deux blancs. Ou alors on l'a vu dans une ancienne case peut-être ce symbole. Ok. Et ben je ne vois pas du tout. Et c'est là qu'on va voir du coup les indices. Comment que ça marche. Du coup, on est au 4 décembre. On a besoin du premier indice. Du coup, on plie sur la ligne en bas. Ce téléphone rouge n'a certainement pas été installé là par hasard. Appeler quelqu'un serait une bonne idée, mais qui? Sur la carte énigme D figure 4 numéros de téléphone et une flèche étrange. Ah, chef, oui, d'accord. Que faire? Il vous suggérait de composer un seul numéro si vous trouviez le bon. Ok, je viens de comprendre. Oui. Là, on a
les quatre numéros qui font chef, comme ça. Donc du coup, on va appeler le chef. Mais alors après, qu'est-ce que ça change? Je sais pas. Donc si on fait trois verres. Est-ce que c'est le nombre de cases qu'on tourne? 3 verres, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ensuite, ça repart au début. On va jusqu'au blanc. Ça fait deux blancs. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on a rouge. 4, ça fait 1, 2. Donc j'ai fait ça. Les décalages qu'on a fait. On va voir si ça donne quelque chose. Donc on a 4, on part de 4 ici. On a une fois à gauche, à droite, une deuxième fois à droite, une troisième fois à droite. Donc on arrive ici. Le code c'est hexagone, Y et rond. Et on a bien hexagone, Y et rond. Donc c'était bien ça. C'était plutôt malin. Enfin, c'est surtout le chef qu'il fallait voir. Ok. Et du coup, on aura le 5 ici. Voilà pour cette énigme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.